merci. Ah, attends. Tu sais que pour la version se compiler correctement, il faut qu'elle soit approuvée avec le profil biométrique de Radica. Hein. Ouais, je fais ça comment? Putain, on est niqué, y'a que Radica qui peut faire ça. Ok, je la contacte comment? Tu peux pas. Elle a pas de numéro fixe. C'est elle qui appelle quand elle a besoin. La salope. Hey, fais gaffe à ce que tu dis. Ah, pardon, je vais voir ce que je peux faire. Ah, merci pour ton aide. On est foutu. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que je le connais pas, le numéro de ce bureau. Bah, je vais voir si je peux finir le jeu aujourd'hui. Et si je peux, j'arrêterai après. Ok, donc non. Que des erreurs suivies du numéro du bureau. Mais c'est quoi le numéro du bureau? C'est là. Attends, c'est écrit là. C'est pas le mien. Eh, bureau 56. Ok, bon, ça c'est fait. Comment je peux faire? Au bureau pour l'instant et pas vraiment en état de travailler. Vous pouvez me laisser un message si vous voulez, je vous rappellerai dès que je serai d'humeur.
celle de Johanna. Elle aimait bien Johanna. En fait, c'est son répondeur. Donc, peu importe. Essaye d'appeler Naïda. C'est Coldstream. Ah bonsoir docteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah ben voilà. Ça donne de l'âge. J'ai besoin de savoir où vous avez fait installer vos implants. Y a un problème? Aucun problème, il me semblait que vous aviez fait installer vos implants chez Supercontinent. Donc je voulais vous ajouter à la whitelist du nouveau programme. Vous savez, en tant qu'employé de Supercontinent, nous avons des privilèges par rapport au BPG. Et j'ai besoin d'accéder aux données de vos implants. Non, je t'ignore, je te parle pas. Rien à te dire. La fille, enfin. Bien sûr, je suis allée à la clinique amélioration holistique. De quelle sorte de privilège vous voulez parler? Oh, rien de grave, juste des petites différences techniques. Merci, Naïda. Bon, Diana est dans la confidence, donc ça sert à rien. Je pense que Adrian, ça sert à rien de l'appeler. Par contre, je pense que le numéro de Diana peut être pratique pour d'autres. On va essayer d'appeler Francis avec la voix de Diana. Diana, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit d'appeler la RH. Je suis pas sûre d'appeler Naïma parce qu'elle a besoin de ça.
celle que... Adrien, je pense pas que j'en ai... Je pense pas que j'ai l'utilité d'appeler Adrien. Naïma et je suis sûre qu'elle pourra t'aider. Ok, donc là, je rappelle Naïma. T'entends moins? Ah bon?
moins fort parce que j'ai un peu la voix platinée aussi. Alors. Tu as l'air lointaine. J'ai rien changé. Hein. Le docteur Parchsens t'ont aidé pour ton stress. Si tu veux mon avis, tu peux être fière de ressentir ces crises de conscience en gérant nos dossiers. Elles sont une marque de ta qualité d'avocate. Non seulement tu cherches à nous protéger juridiquement, mais moralement également. Je sais que tu as eu du mal à accepter ce qui est arrivé à Jack, mais merci encore de nous avoir ouvert. C'est qui cette Karen Desroches? Pourquoi est-ce qu'elle raconte tout ça depuis tant de temps? Ils sont si proches que ça. Mais excuse-moi, je peux t'aider? Oui! J'ai besoin d'informations personnelles sur Radhika. Je prépare mon dossier pour qu'elle soit reconnue officiellement comme notre PDG. Donc il faut que je passe au crible le moindre détail administratif pour être sûr que tout est carré. Ah bah bien sûr, on garde toutes ces données sur un serveur sécurisé. Les infos biologiques, politiques et juridiques y sont archivées pour un accès rapide lorsque l'heure sera venue de la présenter au grand public. Tu as un implant neuronal, n'est-ce pas Naïma? Tout à fait. Je peux te transférer toutes les données par le combiné téléphonique alors. Bien sûr!
Je suis équipée d'un modem de signaux aériens. Et tu le sais déjà. Oui, je voulais juste m'en assurer. Il me semblait pas très poli de te balancer toutes ces données dans ton oreille sans te demander la permission avant. Oh mais merci, c'est sympa. Ok, je t'envoie les données. C'est bon, merci. Avec plaisir. More data. Qui je peux appeler? Je vois pas qui je peux appeler. Peut-être qu'on entend dans ma voix et dans ma bouche. Peut-être qu'elle a des enfants. Ça fait un moment que je l'ai pas appelée. Jonas Bandeis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Tais-toi. Donovan, du coup, je pense que j'ai rien à lui dire. Thank you.
désastreuse sur le cours de notre action. Est-ce qu'on aurait quelque chose par des documents ou des vidéos prouvant qu'elle a la carrure pour le poste? Bah, elle a publié 2 thèses, une sur la politique et une autre en économie. Des thèses? Ouais, Naïma est parvenue à trouver un moyen juridique pour que Radhika puisse entrer à l'université avant l'âge minimum. J'aimerais beaucoup les lire. Peut-être qu'on pourra les utiliser pour apaiser les craintes de nos actionnaires. Oui, elles ont été publiées sous le pseudonyme de Inoke Gaynor. En hommage à notre ancien PDG. Ah, probablement, oui. Eh bien, merci, Karen. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pour Ali. C'était sur des ouvrages publics, je devrais pouvoir y accéder à l'aide de mon compte. Toutes ces pages seront très utiles pour copier le style de Radhika. On a suffisamment de données pour falsifier le profil biométrique de Radhika. Cool. Pourtant, on n'est pas... Agara transmet tout ça sur ton implant neuronal. Tu peux continuer à amasser des données si tu le souhaites. Tu devrais pouvoir utiliser le profil d'Edgar pour compiler un logiciel permettant de corrompre l'ANR. On y est presque. Cool. Le problème, c'est que les deux sont protégés, donc je peux pas... Ah. Alors, tu sais combien il existe d'Agara? J'essaie d'accéder au profil d'Edgar et j'ai besoin de cette info pour répondre à la question de sécurité, celle qui te permet de récupérer un compte si tu oublies un mot de passe. Il me demande le nombre d'Agara existantes. Le nombre exact. J'ai du mal à croire que c'est ce type qui a inventé les accords et la NR. Tout pour
pensais qu'il y avait plusieurs types d'intelligence. Que lui, il compense une absence relative d'un certain type d'intelligence. Par une excellence. Par une excellence en un autre. On va dire que mon sens est souvent très sous-estimé. Bon, j'y retourne, merci. Je vais quand même la rappeler parce que du coup, il y avait une autre question plus. Ah non, plutôt que tes affaires. Laisse ma déesse tranquille, putain.